Donc, bonjour à tous. Je suis Greta Camilla Magnano et je viens de l'Italie. Je suis en première année de thèse et mon projet de thèse est un projet cofinancé par l'armée française. Donc, le titre est « Conception des nanoparticules efficaces pour la décontamination cutanée contre les agents chimiques ». Donc, une arme chimique, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est conçu pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques. Ils ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, pendant l'attentat de Tokyo et plus récemment dans la guerre civile en Syrie. Donc, malgré la convention d'interdiction des armes chimiques qui oblige la destruction et interdit la fabrication des armes chimiques, l'exposition à une arme chimique est malheureusement encore une grande menace pour les militaires, mais surtout pour les civils. Parce que les agents chimiques pénètrent dans l'organisme par ingestion, inhalation et par absorption cutanée. Mais mon projet de thèse se focalise surtout dans la pénétration cutanée. Et après le passage de la barrière cutanée, les agents toxiques atteignent la circulation générale et vont provoquer la mort de l'individu. Donc, je vais parler de pénétration et absorption cutanée. Donc, la peau est divisée en différentes couches. Et pour moi, qui je suis italienne, la peau, c'est comme une lasagne. Mais ce n'est pas une lasagne. Et qui est divisée en différentes couches. Donc, épiderme, derme et hypoderme. Donc, l'absorption cutanée, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'une substance, donc dans mon cas des agents toxiques, au travers de l'épiderme jusqu'au le plasma. Et l'absorption cutanée se déroule en trois différentes étapes: pénétration, diffusion et résorption. Mais pour faire une petite comparaison, quand vous entrez dans votre maison, vous avez besoin d'une clé, non? Donc, chacun a sa clé pour sa maison. Et un peu la même chose pour les substances. Donc, pour pénétrer dans la peau, il doit y avoir des clés précises. Donc, il doit y avoir une dimension, un poids moléculaire qui doit être inférieur à 500 Dalton et il doit avoir un coefficient de partage qui doit être entre moins 2 et 5. Le coefficient de partage, c'est traduit les caractéristiques hydrophiles et lipophiles d'une molécule. Mais malheureusement, les agents chimiques ont des caractéristiques idéales pour pénétrer dans la peau. Donc, une autre petite question. Système de décontamination cutanée. Qu'est-ce que vous savez? C'est un peu difficile, hein, ça. Mais un petit... quand vous brouillez, la première chose que vous faites, c'est... Oui, rincer à l'eau. Parfait. En effet, la première chose, après une exposition à un agent chimique, c'est le déshabillage et la douche de la victime. Mais il y a aussi, maintenant, des autres systèmes de décontamination utilisés par l'armée, qui sont la terre à flux, qui est comme ça, comme un petit gant, qui a la capacité d'absorber l'agent toxique, mais n'est pas capable de dégrader l'agent toxique. Et il y a un autre système, qui est un système liquide, qui est ça, Reaction Skin Decontamination Lotion, qui est un système liquide qui a la capacité de dégrader et neutraliser l'agent toxique, mais malgré beaucoup des études, il est encore vraiment trop cher. Donc, la stratégie de mon projet de thèse, qu'est-ce que c'est? D'utiliser des nanoparticules d'oxyde métallique, donc c'est-à-dire qui sont caractérisées par des atomes métalliques et des atomes d'oxyde. Et ces nanoparticules ont la grande capacité d'absorption et aussi de dégradation et sont des bons, très bons candidats. Donc, le but de ma thèse est d'utiliser les nanoparticules de dioxyde de cérium pour la décontamination cutanée des agents toxiques.
Donc, mon projet de thèse se déroule en trois différents axes. Le premier axe, c'est la synthèse des nanoparticules en utilisant deux méthodes, un chauffage par micro-ondes, qui est un système par voie hydrothermale, et un système ablation laser réalisé en milieu liquide, qui est une synthèse par injection laser. Et on va utiliser ces méthodes parce qu'elles ont des avantages. Donc, la première méthode abaisse le temps des synthèses et il porte à la formation très rapide des nanoparticules. Et la deuxième méthode, la même chose, donc formation rapide, il donne aussi l'accès à des matériaux qui peuvent être synthétisés seulement à haute pression. Le deuxième axe de ma thèse, c'est la caractérisation des nanoparticules. Donc, en faisant une étude à partir de l'échelle de la particule jusqu'à une échelle atomique. Donc, je vais caractériser la morphologie de mes nanoparticules, qui sont un peu comme les ballons de poux, qui sont des octets tronqués, où ils peuvent avoir la forme des cubes ou aussi des bâtonnets. Et ça dépend de le type de méthode de synthèse, jusqu'à arriver à faire une étude sur la structure électronique. Le troisième axe de ma thèse, c'est l'étude de l'efficacité de la décontamination cutanée des nanoparticules. Donc, c'est une étude in vitro et ex vivo, en utilisant les cellules de France, qui sont caractérisées par un compartiment inférieur appelé chambre récepteur et un compartiment supérieur appelé chambre donneur. Et ils sont séparés par une membrane. Et dans mon cas, la membrane est représentée par les oreilles de cochon, parce que la peau de cochon est similaire à la peau humaine. Moi, je vais utiliser des simulants, des agents chimiques, donc les paraoxons, et le 2-chloéthyl-éthyl sulfide, qui est un simulant de la gaz moutarde. Donc, les perspectives de mes troisième années sera d'identifier les mécanismes de dégradation des toxiques en utilisant les nanoparticules, tester l'efficacité des décontaminations cutanées et essayer d'obtenir une formulation pour la défense de demain. Merci pour votre attention.